Good morgen, Aleïda et Netchus, aujourd'hui le Lishma Janin Ruth, Bat Fortune et Mazal Frit Nale, Achaya Bat Mazal Tov, Lucien Batraina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Gitin, Perik Bet, Mishnah Gimel, Bachol, Bakol Kodvin, Badio, Bassam, Besikra, Bekomos, Bakan Kantom, Ovechol Davar Shushel Kayama. En Kodvin, Lobe Mashkin, Velobe Meperot, Velobe Chol Davar Shaino Mit Kayem. À la col kodvin, allez allez shel zait, à la keren shel para, venotanet apara, à la yad shel eved, venotanet eved, abiyusi aglili omer, en kodvin, lo al davar shesh borachaim, velo al ochalin. Je traduis directement la Mishnah, qui va être relativement facile, on s'intéresse cette fois-ci à savoir où et sur quelle encre et sur quel papier faut-il écrire le get. Et la solution, la réponse, elle est très simple. Il faut écrire un contrat. Avec un. La Torah elle a insisté, avec un tavla sefer kritut. Sefer kritut, ça implique d'avoir un livre avec lequel elle va divorcer, c'est-à-dire quelque chose qu'ensuite elle va pouvoir prouver son divorce grâce à ce papier. Donc en fait, il faut écrire quelque chose de manière à ce que l'écriture qu'on va écrire va être une écriture qui va se maintenir et pas quelque chose qui va s'effacer facilement au fil du temps. Si tu vas mettre une écriture qui va. Une encre qui va s'effacer toute seule, c'est pas une bonne encre, mais toutes les autres encres sont bonnes. Tous les papiers sont bons, on va trouver des papiers très originaux justement, et on commence. Bakol Kodvin, avec tout on peut écrire, c'est-à-dire avec n'importe quelle encre. Badio, avec l'encre. Bassam, avec je ne sais pas exactement ce quoi, Sam, quel élixir, quelle potion. Basikra, c'est quelque chose de rouge aussi qui ne s'efface pas. Bakomus, komus, c'est cette fois-ci du Srafailan, c'est de la résine de bois aussi, on le fait noir, on le fait noircir. Obekan Kantum, c'est encore une autre sorte, je ne sais pas c'est quoi exactement. Cooper Waster en yiddish. Cooper Waster. Virdrioli, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Obechol Davar Shushel Kayama, et on peut aussi écrire avec n'importe quelle encre qui va être maintenue, c'est le principe général qu'il faut retenir, ça c'est sûr. Par contre, Enkodvin Lobe Mashkin, on ne pourra pas écrire ni avec des boissons, Velobe Meperot, ni avec des jus de fruits. Et ni avec toute chose qui ne va pas se maintenir. Ça veut dire, même si tu vas prendre du jus de grenade, et tu vas écrire avec, à la fin, ça va s'effacer, se perdre. C'est un ktav qui est l'oraoui litkayem. C'est une écriture qui n'est pas apte à être maintenue, à être constante. De même, alhakol kodvin. On peut écrire aussi surtout, maintenant, une fois qu'on a parlé des encres, on va parler maintenant du papier. Donc, tu peux écrire surtout, allez, allez, shalzait. Une feuille d'olivier. Il faut juste aller la cueillir. Tu vas la cueillir parce que si tu ne la cueilles pas, c'est quelque chose qui met roubar la carcasse, ça ne marche pas. Il faut le donner à un CFR, c'est quelque chose qu'on peut donner de main à main. Donc tu cueilles une feuille, et sur la feuille, tu lui dis Areat Megourachet Mimeni, en lui précisant son nom, la date et tout ça, et tu lui donnes. Si tu as réussi à le faire, ça marche. Allez, allez, Shel Zait, sur une feuille d'huile, d'olivier. Valkeren Shalpara, et même sur une corne de vache, Venotan la tapara, mais tu devras lui donner ensuite la vache. Précision super importante. Regardez bien, j'écris sur la vache, c'est-à-dire moi je vais m'amuser maintenant à sculpter sur une vache, parce qu'elle est trop vache comme femme. Alors, je vais prendre une corne de vache et je vais l'écrire à Atmegoure Chetli. Je te dis maintenant tiens, prends la vache, et tu prends la vache et je la divorce. Mais faites attention, regardez, c'est écrit que je dois lui donner la vache. Je ne peux pas couper la corne et lui donner la corne. Parce qu'il faut nécessairement. Tu écris et tu donnes. Tu écris le sefer et tu lui donnes. Et si tu dois faire, après une fois que tu l'as écrit, tu dois couper la corne, alors c'est plus vekatav venatan, mais tu as fait vekatan vechatach venatan, et une interruption, c'est invalide. Ok? C'est pour ça qu'il faut donner la vache. Al hayad shel eved. Venotanel et eved aussi, tu peux m'écrire si tu veux sur la main d'un esclave. Tu lui fais un beau tatouage. Arrête me gourachatli et tu lui dis, allez, viens. Je te donne cet esclave et tu divorces avec l'esclave. Ça, c'est la vie de Tanakama. Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili nous dit non. En kodvin lo al davar sheshboru achaim ve lo al davar ochalin. Tu pourras écrire ni sur quelque chose qui a un souffle de vie. Donc tu peux pas donner sur la vache. Tu peux pas l'écrire sur le Yad Eved aussi. Parce que c'est quelque chose qui est vivant. Et la Torah a insisté juste d'avoir c'est faire. D'accord, sefer, ça implique quelque chose qui est du inerte, pas quelque chose qui est vivant. Et pas non plus velo alachin, ni non plus sur de la nourriture. Imagine, tu lui prends une carotte parce que tu en as marre de ça. Elle te met toujours des lapins, donc tu veux lui donner une carotte. Et
Et tu l'as écrit, un guet sur une carotte, c'est quelque chose qui se mange, c'est pas un bon guet selon Rabbi Yossi, alors que d'après Khamim, ça fonctionne, c'est validé. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tuv, Selah.